This is Peter Scarlet for Cinemondo with Link TV. I'm here in Taormina in Sicily, where the Taormina Film Festival is about to conclude its 53rd edition tonight. And here with me are the director and star of a Tunisian film called Making Of. Nouri Bouzid, this is your sixth film. Could you tell us a little bit about the circumstances that led you to make Making Of? Je voulais amener ma vision de l'islam, une critique de l'islam, et je voulais absolument que ce soit fait par un musulman, donc je suis musulman, même si je suis laïque et tout, mais je reste culturellement et socialement musulman. Mm-hmm. Et c'est très important qu'un musulman critique l'islam de l'intérieur. Contrairement à toutes les critiques de l'islam qui viennent de chrétiens, de non-musulmans en tout cas, elles peuvent être acceptées par certains intellectuels, mais elles ne peuvent pas être acceptées par la population. Donc ce n'est pas efficace. Et d'ailleurs, l'islam ne peut progresser et se rénover et faire sa réforme que s'il y a cette réforme, si elle vient de l'intérieur. Il faut qu'elle vienne de l'intérieur. Dans l'islam, il y a deux choses. Il y a les fondements de l'islam, qui sont les cinq piliers. Ça, c'est la base, c'est la foi. Mais à part ça, dans le Coran, il y a tout un système compliqué qui gère la société quotidiennement, qui règle les problèmes du quotidien. Or, ces problèmes du quotidien étaient les problèmes d'une autre époque, il y a 14 siècles. Donc, ces problèmes-là ne sont plus à l'ordre du jour. Il y a d'autres problèmes qui sont là et qui ne trouvent pas leur réponse. Alors, le piège, c'est que le sacré casse le rationnel chez les gens. Et par le sacré, ils vont se servir de la religion pour apporter toutes les réponses aux questions nouvelles. Chez nous, en Tunisie, par exemple, la loi, le code du statut personnel, le statut de la femme, la loi du mariage, le rapport entre l'homme et la femme, la répudiation est interdite et la polygamie est interdite depuis 56. Donc c'est une loi contre la charia. Et pourtant, les Tunisiens l'ont pratiquée. C'est une loi laïque. Ils ne savent pas qu'ils sont en partie laïcs. Ils le sont. Et ça n'a jamais posé de problème. Donc le problème, c'est ça a été imposé parce que Bourguiba a eu le courage. Il faut que des gens aient le courage de parler. Et on est de plus en plus nombreux à vouloir parler. Donc c'est à la fois un déclencheur qui est en septembre, mais en même temps, le problème existait. Le problème était là, il était latent, il se posait à nous, on souffrait de tout ça, on avait besoin d'un air de liberté, on avait besoin de dépolluer la croyance des gens et le sacré des gens. Et je crois que aussi, cette question du sacré ne peut être réglée que dans le respect du sacré. On peut critiquer le sacré dans le respect du sacré et on peut critiquer le sacré dans la sincérité. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose de tunisien qui se passe en Tunisie. Et j'avais deux problèmes. À part le problème initial qui est percer le mystère, pourquoi les gens deviennent-ils des martyrs? Pourquoi sacrifient-ils leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Pourquoi moi je ne veux pas sacrifier ma vie comme ça, hein? Et le deuxième problème qui s'est greffé à ça du moment que je vais parler de la Tunisie, c'est est-ce qu'on me laissera parler? Ce problème est tabou dans les médias, on n'en parle pas. J'avais à la fois besoin d'être courageux, très lucide, et en même temps avoir très peur. J'avais besoin de cette peur, parce que cette peur était en moi, elle était vraie, et j'en avais besoin parce que je veux dire qu'il est impossible de lutter contre l'intégrisme et le terrorisme si on ne lutte pas pour la liberté d'expression totale. Ces deux pieds, ce sont les deux pieds sur lesquels marche le film, et marche la société. Si on fait l'un sans l'autre, non. On ne lutte pas pour la liberté d'expression pour ne pas parler des problèmes essentiels.
Et on ne règle pas le problème de l'intégrisme si on n'a pas la liberté totale de parler, dans l'impunité, et imposer cette liberté à tout le monde. Vous avez fait 6 longs métrages, si je me souviens bien. Oui. Et parmi eux, le film précédent était L'homme de cendre, dans lequel ce monsieur, Lotfi, a joué le rôle. Non, pas L'homme de cendre, c'est dans Poupée d'argile. Poupée d'argile, l'avant-dernier, donc juste avant Making of, il y a 5 ans maintenant. Et lui, il avait vers quel âge en ce moment, pour Poupée d'argile? Il joue le rôle de quelqu'un qui a 26 ans. Son âge mental, je ne le connais pas. Mon âge mental, c'est 5 ans. Lotfi Abdelli, raconte-nous un peu. Je pense que la plupart des spectateurs ont une première vision de ce visionnement de ce film. Ils se demandent, mais est-ce vrai? Les scènes entre le metteur en scène et le comédien, est-ce que le scénar au début était sans ces circonstances, non, sans ces débats? Il y avait dès le début. Repère, pas le même texte. Aha. Alors, je précise avant son intervention que c'est un film qui a demandé la subvention du ministère, parce que tous les films tunisiens sont subventionnés à 30%, et les personnages de l'acteur et de réalisateurs sont dans le scénario des personnages fictifs qui portent des prénoms. Aha. Ce n'est pas moi et lui. Aha. Et quand on est entré dans la réalisation du film, c'était sa proposition à lui d'ailleurs, que j'ai applaudi pour ça. Il m'a dit, je parle mon propre nom, et toi tu réponds à ton propre nom. J'ai dit, d'accord. Il m'a posé une deuxième question, une deuxième condition. Je ne dis pas les choses de fond. Je ne recommence pas. Parce que c'était improvisé. Ouais. C'est-à-dire, quand on a arrêté pour discuter de certains points qui me travaillaient un peu dans la tête, il ne savait pas quel genre de questions je voulais lui poser. Mm-hmm. Et moi, je ne savais pas comment il allait me répondre. Mm-hmm. Donc, ça créait aussi une tension entre nous. Ouais. Parce que moi, je voulais vraiment savoir quel était le but donné au Bouzid en faisant ce film. Ouais. Par exemple, moi je suis musulman, je suis croyant, j'aime ma religion. Ma religion c'est l'islam, ma religion c'est pas le terrorisme. Ouais. Il y a une grande différence. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que Nouri Bouzid, en faisant ce film, il veut s'attaper sur le terrorisme ou sur la religion musulmane? Et parce que dans le film c'est extrêmement subtil et dangereux si tu passes à côté juste d'un film. Mmh. Parce que tu joues avec la sensibilité du monde entier. C'est pas tunisien ce film, c'est international. Ouais. Ouais. Tout le monde, musulman ou pas, concerné. Mais nous, on est dedans. On est vraiment dedans parce qu'on nous regarde. Et il fallait prendre la parole. Parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre la parole. On a l'habitude de regarder l'Occident parler de ça, parler de nous. Ouais. Mais nous, on ne prend jamais la parole. Rarement. Quelles étaient en réalité les réactions quand tu le public aux premières projections dans ton pays au Festival de Carthage et quand le film est sorti en beaucoup de salles? Est-ce que les gens étaient... Je ne croyais pas mes oreilles et mes yeux. C'était la folie. C'était un enthousiasme fou, jamais vu. D'habitude, tous mes films, d'habitude, je suis à la fois la honte et la fierté. Donc, j'étais tout le temps controversé. Ou bien on m'adore, ou bien on me déteste. Ouais. Et on ne me déteste pas parce que le film est mal fait. Ouais. On me déteste parce qu'on ne partage pas les idées du film. Ouais. C'est surtout ça. Donc, c'est des films qui parlent aux gens, qui les interpellent beaucoup. Ouais. Et là, je n'ai pas vu de gens qui m'attaquent. C'est la première fois, je ne croyais pas. Et je me suis dit, c'est pas possible. Si j'avais su, j'aurais été plus loin. Et ce qui a confirmé encore plus, c'est que les gens, un mois après, ils me disent, mais tu es un prophète. Comment tu as su que tout ça allait arriver? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé des événements similaires au film, avec un groupe de terroristes qui ont été complètement un plan diabolique qui a été déjoué par l'armée et la police,
tellement ils étaient importants et armés, et bien armés. C'est un conteneur qui est entré par la frontière algérienne d'armes. Mm-hmm. Ils sont entraînés au Mali, c'est la Qaïda, et l'armée s'est opposée à ça. Et ils les ont arrêtés tous ou tués, la plupart ont été tués, des morts même du côté de l'armée et de la police. Et ils avaient un plan de faire des explosions dans des centres névralgiques de la ville, ce qui, pour les gens, touchait tout le monde. Tout le monde, presque, s'est un peu fédéré autour du film. Parce que le film expliquait un peu comment ce type devient. Parce que le numéro un de ce groupe était un danseur. Et ça, pas vrai. Oui, c'est vraiment pour vous dire comment on peut très vite basculer. Mais quelle était ton impression des réactions qu'a eu le public occidental jusqu'à ce point aux États-Unis et ici en Italie? Est-ce que ça vous a surpris? Ce qui m'a surpris, ce n'est pas les réactions des gens qui ont vu le film. Ceux qui ont vu le film, c'est extra. Ce qui m'a surpris, c'est le préjugé avant de voir le film. Dans quel sens? Dans le sens que des distributeurs français ont peur, des producteurs français, le film a des aides françaises, il n'a pas trouvé de producteurs français. Ils avaient peur du sujet. Comme lui, sincèrement, il dit, on va nous casser la gueule, on va un jour se trouver en prison, tu vas voir, on va mourir. Il y a aussi, à mon avis, chez les distributeurs et les producteurs, des calculs de risques financiers. Même s'ils peuvent être d'accord avec le sujet, ils ont peur, beaucoup plus des peurs de risques financiers, parce que c'est un sujet un peu risqué. Je suis fier que ce film-là, pour une fois, va être projeté d'abord aux États-Unis avant qu'il soit projeté en France. Alors, ça va, oui, c'est incroyable. Ouais. Et en plus, les États-Unis sont plus impliqués dans le film. Mais je reste reconnaissant à Tribeca, réellement, parce que elle a presque ouvert les yeux aux Européens. Ah bon? Oui, c'est dans ce sens-là. Inch'Allah, que vous n'avez pas, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur de ce film. That interview with Nouri Bouzid and Lotfi Abdelli was filmed in Taormina in Sicily in June of 2007, 2 months after Making Of had been shown here at the Tribeca Film Festival in New York. It was shown at the Taormina Film Festival in Sicily, run by a very energetic young woman named Deborah Young, the first American woman to run a European film festival. She'd had the very good idea that since Sicily has stood at the physical crossroads of Mediterranean culture for centuries, she transformed the festival into a Mediterranean film festival. And while Making Of doesn't end with a happy ending, the story ends happily because an hour after that interview was filmed, we all went to the prize ceremony, and Making Of was named the best film at the Taormina Film Festival, and Lotfi Abdelli was again, as at Tribeca, named the festival's best actor. I'm Peter Scarlet for Cinemondo on Link TV. Looking forward to seeing you again with us a week from now.